Bureaux d'études, prestataires, usines, les processus de l'industrie impliquent de nombreux acteurs séparés par de longues distances. Faciliter leur collaboration peut être porteur de nombreux bénéfices. Le jumeau numérique peut réduire les distances physiques à l'aide des technologies de réalité mixte. Démonstration avec Synergies qui emploie les HoloLens de Microsoft afin de proposer un métaverse industriel. On a au sein de nos clients des bureaux d'études. Ces bureaux d'études créent des nouveaux produits ou améliorent de nouveaux produits. Mais ils sont répartis sur différents sites. Et donc pour pouvoir faire en sorte de pouvoir collaborer entre eux, on utilise les HoloLens de Microsoft et donc ils peuvent charger toute la matière 3D qu'ils ont dans l'organisation et tous les documents 2D pour les faire travailler ensemble comme s'ils étaient dans la même pièce. Ça leur permet d'éviter des déplacements et ça leur permet de pouvoir être tout de suite disponibles entre eux pour travailler. Donc là, on retrouve Yannick actuellement présent à côté de moi qui est équipé d'une HoloLens de Microsoft et qui est en train de travailler avec un collaborateur présent sur Saint-Malo. Leur objectif, c'est de pouvoir optimiser un produit. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont chargé le modèle 3D du produit, toute sa composition et les différentes informations. Et là, il est actuellement en train d'échanger à la fois en audio, mais aussi en voyant les hologrammes de l'objet 3D et de pouvoir interagir en temps réel entre les deux pour pouvoir tout simplement optimiser le produit. Autre enjeu majeur des industriels, la transmission du savoir peut aussi être simplifiée à l'aide de la combinaison jumeau numérique réalité mixte. Apprendre en exécutant les gestes permet d'accélérer la maîtrise des collaborateurs, mais aussi leur productivité, comme l'évoque Inoteo, qui propose une solution de formation sur le terrain appuyée du casque HoloLens. Alors Dimeo, c'est quoi? C'est une solution qui se décline en deux applications. Sur ordinateur pour pouvoir concevoir très rapidement ses propres modules interactifs en réalité mixte. Et ensuite, sur la partie casque, donc en réalité mixte, les opérateurs vont pouvoir avoir un guide qui peut être suivi étape par étape sur le terrain pour apprendre où et comment réaliser chaque action. Ils apprennent en faisant et les hologrammes qui vont se superposer aux machines va permettre d'avoir de l'information superposée à leur environnement réel, d'apprendre en faisant et de créer des repères visuels qui vont les aider à mieux retenir les formations plus qu'une formation classique. Donc ici, on voit les instructions qui sont affichées. On peut les parcourir étape par étape. Et sur la machine, je vois des instructions visuelles qui m'aident à savoir comment réaliser telle ou telle action. Je continue mon module et je peux donc être formé sur le terrain de manière autonome tout en ayant l'accès à la traçabilité des opérations, comme vous le voyez avec ces hologrammes en 3D qui m'indiquent bien au bon endroit où je dois effectuer telle ou telle action. De jumeaux numériques à métaverse industriel, le numérique renforce les capacités de collaboration, d'apprentissage et accélère la productivité. Il réduit aussi les nécessités de déplacement, de quoi améliorer l'empreinte environnementale des processus industriels. Objet du prochain épisode de 4.0 Connections.